Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de Paris pour fêter les sciences. Pour cette 30e édition de la Fête de la Science, l'Université de Paris propose plus de 60 événements et ce soir, nous débutons ensemble un cycle de 7 conférences et projections de débats que vous suivez en direct sur YouTube. Et durant toutes ces conférences, nous allons laisser le chat YouTube ouvert de façon à ce que vous puissiez poser vos questions. Et j'aurai le plaisir, à l'issue de la conférence, de me faire le relais de toutes vos questions auprès de nos conférenciers. Alors ce soir, nous accueillons Christophe Darmanja, enseignant-chercheur à l'Université de Paris en anthropologie sociale. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Pour nous parler de l'origine des guerres, vous allez nous emmener de l'autre côté de la planète en Australie. Absolument. Car c'est depuis cette région que vous pourrez nous éclairer sur une question qui nous taraude depuis longtemps. Depuis quand fait-on la guerre Tout à fait. Alors, une idée largement répandue en Occident est que la guerre serait apparue au néolithique, opposant d'un côté les guerriers et de l'autre les pacifistes chasseurs-cueilleurs. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait exact, puisque les chasseurs-cueilleurs eux-mêmes faisaient la guerre je vous laisse donc en compagnie de christophe d'armanja pour cette conférence et je vous retrouve juste après pour me faire le relais de vos questions que vous déposez dans le chat sur la chaîne youtube de l'université de paris. à très vite, christophe. eh bien merci, cécile, pour cette présentation. Euh, en effet, euh, comme vient de, de le dire euh, ma collègue, euh, on entend fréquemment opposer deux grandes idées sur l'origine de la guerre. Alors une idée qui en France n'a pas énormément de défenseurs, mais qu'on entend parfois, qui est que la guerre serait aussi lointaine, aussi ancienne que l'humanité, et en réalité même plus ancienne qu'elle, et que dès un certain nombre d'espèces de primates, la guerre existerait. Et puis, face à cela, une théorie qui a beaucoup plus fréquemment entendue les, parmi les préhistoriens, qui est que euh, finalement la guerre n'aurait été inventée euh, par les sociétés humaines que relativement tard. Euh, L'échelle de temps des préhistoriens n'est pas celle euh, de notre vie à nous. Euh, pour nous, euh, le néolithique, c'est-à-dire euh, l'époque où on a euh, inventé l'agriculture, la sédentarité, l'élevage, pour le dire rapidement, euh, ça date de quelques milliers d'années. Ça nous paraît extrêmement loin mais à l'échelle de l'humanité c'est quelque chose de tout à fait tardif en réalité alors euh, donc la, la théorie disons la plus souvent entendue en tous les cas en france c'est que la guerre daterait euh, non seulement du néolithique mais même de périodes plus tardives hein, les âges des métaux euh, pourquoi et en tous les cas que donc les, les chasseurs cueilleurs eux ne n'auraient pas fait la guerre alors sur quoi repose cette idée sur un certain nombre de d'indices euh, je crois que les premiers bah, ce sont des indices euh, ethnologiques euh, les chasseurs cueilleurs qu'on a observés disons dans les trois quatre euh, derniers siècles euh, auraient été relativement pacifistes et donc n'auraient pas fait la guerre. Euh, un raisonnement euh, sociologique euh, pourquoi des petits groupes humains euh, dispersés euh, sans richesse, euh, donc sans intérêt à se piller ou à se euh, soumettre les uns les autres. Pourquoi ces groupes humains euh, se seraient-ils affrontés au risque de perdre la vie euh, Et donc euh, ils n'avaient aucun intérêt à le faire, et c'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Et puis la dernière catégorie d'arguments, de, euh, c'est qu'en archéologie, on retrouve euh, aucune ou Presque aucune euh, trace de violence collective, justement avant la période néolithique et peu, relativement peu au néolithique. Et c'est vraiment à l'âge des métaux qu'on se met à retrouver des choses et en particulier des armes qu'on identifie comme des armes de guerre, l'épée et le bouclier de bronze étant euh, emblématiques de cela. Qu'on trouve aussi euh, des, des charniers, hein, des résultats de batailles euh, ou des cimetières euh, remplis de, de gens qui ont péri de morts violentes. Alors, moi, ce qui m'a intrigué, c'est que euh, dans ce récit, c'est que en tant qu'anthropologue social, euh, alors moi, je suis un anthropologue social, de fauteuil, hein, comme on disait au siècle passé, c'est-à-dire que je ne vais pas, je ne me rends pas dans des contrées lointaines euh, pour euh, vivre au milieu des gens euh, auxquels je m'intéresse, mais par contre, euh, ben, j'ouvre les bibliothèques, les témoignages, je lis ce que euh, ceux qui ont vécu parmi eux ont écrit ou, ou voir ce que eux-mêmes ont écrit à leur propos, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont écrit. Et ce qui m'a intrigué, c'est que justement, donc, dans l'Australie aborigène, il y avait des témoignages. Manifestement de conflits collectifs. Alors, l'Australie aborigène, je vais en dire quelques mots rapidement pour la présenter. Donc, c'est un continent. Hein. L'Australie, on ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde ça euh, comme ça sur une carte, mais c'est aussi grand que les États-Unis. Hein. Je crois que ça fait quelque chose comme 15 fois la France en superficie, donc c'est absolument immense. Et euh, pour les anthropologues, c'est quelque chose, c'est un trésor, parce que c'est le seul endroit au monde où, euh, quand les occidentaux sont arrivés, ils ont observé des populations donc de chasseurs cueilleurs qui n'avaient pas été euh, euh, au contact ou en tous les cas en contact soutenu avec des populations d'agriculteurs, voire avec des sociétés étatisées. Hein, partout ailleurs sur la planète, finalement, les chasseurs cueilleurs qu'on a observés, c'est des gens qui avaient été repoussés dans des environnements hostiles, que ce soit les banquises, le fin fond des forêts, les déserts, bref, là où l'agriculture n'était pas possible ou pas rentable. En Australie, on a un continent avec une grande diversité de climats. Ça va en gros d'un climat écossais au sud à un climat subtropical au nord. Il y a des zones très arrosées, il y a des déserts. Et sur cet immense continent vivaient donc... Peut-être 700, 800 000, on ne sait pas très bien, euh, personnes réparties en quelques centaines de tribus et de langues. Et tous étaient donc des chasseurs-cueilleurs mobiles, hein, qui n'étaient donc pas sédentaires, ou en tous les cas pas avec une sédentarité prononcée, qui ne faisaient ni élevage ni agriculture, euh, et qui avaient d'ailleurs une particularité technique euh, un petit peu étonnante. C'est les seuls chasseurs-cueilleurs qu'on ait jamais observés euh, qui n'avaient pas l'arc. Et donc en Australie, on ne trouve pas d'arc et de flèche. En revanche, les, comme sur la photo qui, qui, qui est montrée à l'écran, les chasseurs-cueilleurs australiens se battaient avec des lances et avec des lances euh, souvent, pas toujours, mais souvent projetées avec ce qu'on appelle un propulseur. C'est un morceau de bois euh, qui peut être long comme ça, de quelques dizaines de centimètres, et qui démultiplie euh, la violence du tir et, euh, et qui, 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 euh, qui améliore, disons, la, le, la projection euh, du projectile. Alors donc pour l'anthropologue social, encore une fois, euh, l'Australie est un immense réservoir, un immense lieu d'observation et en plus c'est un lieu d'observation très bien documenté. Il y a des dizaines de milliers de documents euh, qui parlent des aborigènes, alors qui parlent des aborigènes euh, à partir de la fin du XVIIIe siècle, hein, puisque les, le, le, les Occidentaux sont arrivés en Australie euh, à la fin du XVIIIe siècle. Il euh, y a y compris des témoignages, évidemment, aussi sur les aborigènes de maintenant qui, évidemment, ne vivent plus comme euh, au moment du contact. Mais donc, sur ces populations, euh, au moment, avant qu'elles aient été euh, euh, influencées, et quand je dis influencées, évidemment, ça ne s'est pas fait euh, que de façon aimable, loin de là, hein, avant que ces populations, aient été, euh, que ces sociétés aient été, on va dire, déstructurées par l'arrivée des Occidentaux. Eh bien, il y avait donc des centaines de sociétés sur lesquelles on dispose d'énormément de témoignages. Alors, ben, je, suis, je me suis mis en quête et je me suis dit, ce que j'ai cru voir en lisant, on va dire à droite, à gauche, en butinant, est-ce que c'est une réalité largement étayé. Est-ce que j'ai eu une vision Est-ce que, est que, tout ça, c'est du, du vrai, du solide, etc. Et donc j'ai entrepris euh, d'éplucher tout ce que je pouvais, tous ceux à quoi je pouvais accéder, toute la documentation à laquelle je pouvais accéder. Alors évidemment. Euh, je suis loin d'avoir fait le tour. Encore une fois, il y aurait des dizaines de milliers de documents à éplucher. Et puis surtout, euh, il y a tout un tas de documents qui sont euh, stockés euh, dans des bibliothèques, dans des réserves euh, en Australie même, qui n'ont pas été numérisés et qui n'ont jamais été publiés. Euh, donc il va de soi que je n'ai pas eu accès à ces documents. Mais finalement, euh, j'ai fait une moisson euh, bien au-delà de mes espérances, euh, puisque en fait, je me suis focalisé... Sur les affrontements collectifs. On a aussi, j'y reviendrai, en Australie, des témoignages d'affrontements ciblés sur un individu, où soit en un contre un, soit plusieurs contre un, soit simplement pour le blesser, soit pour le mettre à mort. Encore une fois, j'en reparlerai. Mais là, moi, ce que j'ai essayé de réunir, c'est des récits, des descriptions, des témoignages. Très peu sont le fait d'anthropologues professionnels, beaucoup sont le fait soit de témoins, soit de gens qui ont vécu au milieu des aborigènes parfois pendant des décennies. On a quelques cas d'ailleurs euh, emblématiques d'occidentaux. Qui se sont retrouvés à vivre au milieu des aborigènes. L'un est un, un bagnard évadé dès le début du 19e siècle et qui a passé 30 ans dans une tribu aborigène avant de revenir parmi les Blancs. L'autre est un mousse du pays nantais qui a passé 17 ans dans une tribu du, du Cap York. Le Cap York, c'est. Cette pointe qui est au nord-est de l'Australie, euh, parce que son bateau avait été naufragé, il était le seul survivant et il a donc passé 17 ans euh, parmi cette tribu avant d'être recueilli par un navire et d'être euh, emmené, euh, remmené vers la France, où là quelqu'un euh, a recueilli son témoignage sur la manière dont, dont, les, dont les gens vivaient. Alors pour en revenir donc à cette moisson, ben, euh, euh, au bout du compte, euh, j'ai réuni un peu plus de 200 euh, témoignages faisant état de conflits collectifs. Alors j'en ai fait donc une base de données. Euh, qui est en anglais parce que évidemment euh, ces choses là euh, euh, il faut pouvoir en discuter euh, disons avec tous les collègues du monde et que l'anglais bah, euh, alors pas seulement parce que c'est l'Australie mais de toute façon l'anglais c'est la langue de la science. Euh, J'ai déposé la base en ligne comme ça eh bien tout le monde peut peut la voir. Et non seulement j'ai mis la base en ligne, mais j'ai mis euh, en ligne les extraits euh, des, des livres et des lettres et des, des documents euh, sur lesquels je m'appuyais pour faire ma codification, de sorte que euh, n'importe qui, euh, professionnel ou amateur, qui pense que euh, j'ai un peu abusé euh, et que tel cas je l'ai euh, surestimé ou que je l'ai mal qualifié, bah, peut euh, tout à fait euh, donner son avis et, et me... Me recommander de faire une rectification. Alors, toujours est-il que donc sur les 215 événements euh, que j'ai recensés, euh, un certain nombre évidemment euh, manque de précision à un titre ou à un autre, mais j'ai donc euh, réuni euh, une grosse centaine de batailles rangées. Et puis euh, une grosse quarantaine de raids et d'embuscades, c'est-à-dire la différence hein, c'est un raid, vous allez chez l'ennemi euh, et vous le surprenez une embuscade, euh, vous savez que l'ennemi vient chez vous, vous vous cachez et c'est vous qui le surprenez. Euh, alors j'ai non seulement donc classifié la forme de ces affrontements, mais j'ai classifié le nombre de morts qu'ils avaient occasionnés. Alors on est chez des chasseurs-cueilleurs les groupes humains sont de petite taille. Hein, euh, couramment, un groupe de chasseurs-cueilleurs australiens, une unité de base, ça va être 30, 40, 50 personnes. Sachant quand même que ces unités de base sont reliées entre elles par différents liens, hein, et ce qu'on appelle une tribu, c'est-à-dire, en gros, on va dire une langue, ça va être 10 à 12 groupes de 40 à 50 personnes. Donc, une langue aborigène australienne, c'était parlé par 500 ou 600 personnes. Hein. Euh, toujours est-il que, donc, euh, quand j'ai voulu estimer les les dégâts, les victimes de ces, de, de ces affrontements, j'ai essayé de prendre une échelle qui corresponde à l'échelle des populations en, en question, et j'ai donc fait des catégories où il n'y avait aucune victime, une à deux victimes. 3 à 9 victimes, ce qui commence déjà à faire un petit peu sérieux quand vous êtes des groupes de 30 ou 50 personnes, et plus de 10 victimes, ce qu'on peut considérer comme un affrontement extrêmement grave. Et là, euh, oups, pardon, excusez-moi, j'ai déroulé le, euh, euh, les diapositives dans le mauvais sens, et là je me suis aperçu que le groupe euh, des affrontements à euh, plus de 10 victimes, qui est donc représenté en noir hein, sur la carte. Euh, si on va voir la carte en ligne, on peut cliquer sur chacun des petits points pour avoir les détails euh, correspondants. En tous les cas, euh, il y avait plus d'une cinquantaine d'affrontements qui euh, étaient réputés avoir fait 10 victimes au moins, et euh, j'ajoute pour certains beaucoup plus de 10 victimes. Euh, à l'autre bout, il y avait aussi une grosse cinquantaine d'affrontements, il n'y avait eu aucune victime. Et là, on verra euh, évidemment les, les raisons qui peuvent expliquer ça. En tous les cas, à mes yeux, euh, une fois qu'on a un matériel comme ça, c'est clair, euh, manifestement, ces gens-là se combattaient, c'est-à-dire qu'ils ne s'affrontaient pas seulement j'allais dire à fleuret moucheté, hein, euh, j'en reparlerai, mais il y a des circonstances où ils cherchaient à se tuer et où ils y arrivaient très bien et où il y avait un nombre de victimes considérable par rapport aux effectifs engagés. Alors la question euh, que je me suis posée ensuite, évidemment, c'est euh, euh, ces guerres, ces affrontements, ne peuvent-ils pas être une conséquence du colonialisme hein Après tout, euh, euh, ça s'est vu dans un certain nombre d'autres endroits dans le monde. C'est finalement la présence occidentale qui explique d'une manière ou d'une autre qu'il euh, y a un, une violence soit qui apparaît, soit qui se développe euh, parmi les sociétés euh, concernées. Alors euh, j'y reviendrai dans un instant, mais cette hypothèse euh, me semble devoir être écartée pour deux raisons majeures. Alors l'une de ces raisons, bah, je vais en parler tout de suite, c'est les motifs des affrontements. En effet, j'ai aussi codé les raisons pour lesquelles euh, les gens euh, s'étaient battus, euh, raisons qui sont spécifiées dans en gros la moitié des cas. Mais enfin, ça m'en fait quand même un petit peu plus d'une centaine, largement de quoi faire une statistique euh, fiable. Surtout que cette statistique est absolument frappante. Ces gens-là ne se font absolument pas la guerre pour les raisons qu'on peut imaginer nous. Et c'est sans doute d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles on a tendance à penser que les chasseurs-cueilleurs ne font pas la guerre, parce qu'ils n'ont pas nos raisons de faire la guerre. Mais c'est une erreur. Ils n'ont pas les nôtres, mais ils en ont, <laughs> bien à eux. Alors donc, pourquoi ne font-ils pas la guerre Ils ne font pas la guerre pour piller. Il n'y a pas de richesse à piller, il y a très peu, il y a très peu de possessions matérielles, et manifestement, euh, ce n'est pas le but, et même ce n'est pas, je dirais, un sous-produit de la guerre. On, on ne prend pas les possessions des gens qu'on a, euh, qu a battus. Ils ne font pas non plus de captifs, ils ne font pas d'esclaves. Ce sont des sociétés euh, euh, égalitaires sur le plan matériel, ce sont des sociétés sans richesse, et donc euh, on ne prend pas les gens et l'esclave. Tout au plus, on va capturer éventuellement, mais pas toujours, euh, quelques femmes, euh, soit parce que bah, c'est l'occasion pour quelqu'un de trouver une épouse dans une société où il y a une grande polygamie et où donc les jeunes ont tendance à être célibataires très vieux. Soit euh, pour affaiblir l'adversaire. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas tellement de prendre des femmes pour en avoir plus soi, c'est que les autres en aient moins. En tous les cas, donc, euh, on ne prend pas de richesses, on ne fait pas de captifs ou à la marge des femmes qui sont tout de suite intégrées au groupe. Et euh, d'ailleurs, euh, on n'y va pas pour ça. Hein. Quand, même quand on prend des femmes, ce n'est pas le but de la guerre, ce n'est pas affiché comme le but de la guerre. Euh, en ce qui concerne les territoires. La question n'est pas très simple. On a quelques témoignages euh, de tribus qui ont pris le territoire des voisins. Mais je n'ai aucun exemple dans ma base, dans mes 100 et quelques événements renseignés, de guerre qui aurait été menée dans ce but-là. Donc, euh, je suis un petit peu hésitant. Je ne peux pas dire que ça ne se soit jamais produit. Est-ce que les fois où des tribus ont accaparé le territoire du voisin, c'était finalement une conséquence de la guerre Une fois que vous avez éliminé les gens qui vivaient là, bah, vous vous installez là, là où ils sont. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui semble avoir été extrêmement rare. Et d'ailleurs, chez les aborigènes australiens, il y a la conviction que vous avez un lien religieux très profond avec votre territoire. Et donc, euh, euh, aller vivre sur le territoire qui n'est pas le vôtre, ça n'a aucun intérêt et à la limite même ça vous fait peur. Alors, donc voilà toutes les raisons pour lesquelles on ne se bat pas. Quelles sont les raisons pour lesquelles on le se bat Eh bien, on peut dire qu'il y en a deux. C'est euh, on s'est embrouillé suite à des contestations de droits sur les femmes. Encore une fois, ce sont des sociétés euh, euh, largement dominées par les hommes. Euh, C'est de façon variable euh, sur le territoire, mais j'insiste d'autant plus sur ce point que, euh, en ce moment, il y a une Profusion de, de livres, d'émissions de télévision euh, qui présentent beaucoup euh, les chasseurs-cueilleurs comme des gens euh, nécessairement, euh, comment dire, euh, d'un grand égalitarisme des sexes. Euh, les Australiens, pour une bonne part d'entre eux, en tous les cas, euh, sont des démentis flagrants euh, à cette idée-là. Donc les hommes ont des droits unilatéraux sur les femmes et parfois, eh ben, ils se. Euh, ils sont en conflit au sujet de ces droits. Euh, soit que euh, on a donné à marier euh, la femme à un autre groupe que ce qui était prévu, soit on n'a pas tenu les promesses, soit la femme euh, a été euh, enlevée par le groupe d'à côté avec ou sans son consentement, mais comme elle n'a pas le droit au divorce, c'est la seule façon de quitter son mari. Bref, euh, et les hommes en viennent aux mains et on a le droit, j'y reviendrai, de tuer euh, pour euh, se venger d'un enlèvement de femme. Euh, c'est normal. Euh, dans cette société, hein, je, pr je précise. Euh, alors, pour en revenir donc euh, à nos moutons, les droits, la contestation des droits sur les femmes, qui se sont contestation qui s'est envenimée, constitue le grand motif de ces affrontements. Et le deuxième motif, c'est la vengeance pure et simple, c'est-à-dire vous considérez que quelqu'un, le groupe euh, concerné, euh, vous ayant tué une, deux, trois, quatre, cinq personnes dans le passé eh bien euh, vous allez vous venger. Alors quand je dis considérer qu'il vous a tué, c'est parce que le mort peut être la mort, euh, comment dire peut être attestée par euh, les gens sont venus physiquement et ils ont tué quelqu'un de votre groupe. Mais il euh, y a aussi la conviction que la mort naturelle n'existe pas et que donc toute personne qui meurt meurt à la suite d'une sorcellerie. Vous comprenez que ça ouvre bien des possibilités pour la vengeance, hein, parce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, vous pouvez prendre prétexte de ça pour aller vous venger légitimement. Alors, finalement, ce qui est, ce qui est vraiment absolument intéressant dans cette affaire-là, c'est que les deux grands motifs de guerre en Australie, enfin je dirais même les deux motifs exclusifs ou quasiment exclusifs de guerre, sont deux motifs judiciaires. Et donc la guerre chez les aborigènes australiens, c'est une façon de faire la justice, une façon, euh, si vous voulez, euh, euh, libérer, dérégulée, euh, dé sans frein, euh, de, de rendre la justice, de se venger, de faire valoir ses droits. Alors j'en reviens maintenant à l'idée, euh, finalement, euh, comment dire, euh, est-ce que euh, ces guerres qu'on a vues peuvent être le contre-coup euh, de l'arrivée des Occidentaux euh, il me semble qu'il y a deux arguments euh, majeurs qui s'opposent à cette idée-là, qui doit être absolument écartée. Euh, le premier argument, c'est que dans les motifs, justement, comme je viens de le dire, de, de ces guerres, on ne voit absolument pas en quoi les Occidentaux auraient pu jouer un rôle. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour accaparer des marchandises qui auraient été amenées par les Blancs, on ne se bat pas pour contrôler des routes commerciales, on ne se bat pas pour avoir euh, comme interlocuteur privilégié euh, les missionnaires ou le, ou le préfet local, euh, etc. On se bat pour des raisons qui sont euh, tout à fait... Euh, interne aux, aux sociétés en question. Et puis l'autre argument majeur, c'est que tout ça s'est fait très vite. Hein. Comme je disais, euh, les blancs arrivent dans le sud-est du pays dans les années, euh, enfin, je crois que c'est 1788 la première année. Enfin, on va dire à la fin du 19e siècle, ils commencent à s'installer au début, euh, du, euh, à la fin du 18e siècle, pardon, ils commencent à s'installer euh, pour de vrai au début du 19e et on peut dire en gros que les dernières guerres tribales dans le nord puisque la colonisation se fait en gros en remontant vers le nord et l'ouest les dernières guerres tribales ont lieu dans les premières décennies du xxe siècle si tout ça avait été un phénomène amené par les blancs eh bien les gens l'auraient dit les gens auraient dit, les aborigènes auraient dit euh, c'est vrai que depuis quelques années, euh, on se bat et qu'on a des ennemis et que... etc. Mais du temps de nos grands-parents, c'était beaucoup plus calme, c'était beaucoup plus tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé On ne comprend pas. C'est depuis que les Blancs sont là. Enfin bon. Or, les gens disent exactement le contraire les aborigènes disent exactement le contraire c'est-à-dire que d'une part ils présentent leurs conflits comme ancestraux en disant que de tout temps euh, les, euh, la, la, la tribu d'à côté a été leurs ennemis et que voilà ou qu'il y a eu un renversement d'alliance avant on était copains avec eux mais maintenant on peut plus se sentir et voilà euh, et que inversement euh, l'arrivée des blancs a calmé tout le monde alors elle a calmé tout le monde euh, pour deux raisons D'abord, parce que quand un pouvoir colonial arrive quelque part, bah, il s'arroge le monopole de la violence, c'est le principe de l'État, et donc il interdit les guerres tribales. Et puis, deuxièmement, euh, c'est que la, la colonisation a été un, un, un drame pour les populations aborigènes. Euh, comme partout, bah, les Occidentaux ont amené des germes, euh, des maladies infectieuses contre lesquelles les aborigènes euh, n'étaient pas protégés, sans parler du fait qu'ils les ont expulsés d'un certain nombre de terres sur lesquelles ils vivaient. Et donc, euh, si j'ose dire, les guerres se sont rapidement arrêtées, faute de combattants, euh, mais de combattants euh, qui, encore une fois, avaient été fauchés par tout autre chose que par, par les guerres internes. Alors, euh, il ne faut pas que je me trompe de sens dans mes diapositives. Alors, si la guerre en Australie est un prolongement de la justice, ça veut dire que si on veut bien comprendre la guerre, eh bien, il faut bien comprendre la justice. Et là, bah, je me suis plongé euh, dans un deuxième temps. Euh, sur cette justice aborigène. Alors c'est évidemment euh, une société qui n'a pas de droit écrit, euh, qui n'a pas de tribunaux, qui n'a pas euh, d'organes spéciaux pour euh, rendre la justice, mais c'est une société qui a un système judiciaire, et ça c'est absolument euh, important. On, tendance à se dire on voit des chasseurs cueilleurs euh, comment dire euh, tout se règle plus ou moins euh, de manière informelle euh, soit à la bonne franquette soit on se tape dessus un petit coup et puis voilà on n'en parle plus à la limite si on peut plus se sentir euh, on se quitte c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça ces sociétés ont des, sont d'une complexité à faire frémir euh, c'est bien connu dans le domaine de la parenté la parenté australienne est un truc euh, d'une telle complexité que les anthropologues de tous les pays continuent encore à, à essayer d'en déchiffrer les clés. Ce sont des sociétés avec des religions extrêmement complexes, des rites religieux d'une grande complexité, et ce sont aussi des sociétés donc avec un système judiciaire très élaboré, en tous les cas, beaucoup plus que ce qu'on a tendance à leur prêter euh, euh, par ignorance et par préjugé. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans des, de longs détails, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, cette justice se rend euh, au sein des sociétés australiennes de plusieurs façons. Alors, par exemple, euh, première façon, le duel, hein, où on, donc on va avoir deux hommes euh, ou deux femmes, d'ailleurs, c'est la seule procédure dans laquelle les femmes peuvent jouer un rôle actif. On va avoir deux hommes ou deux femmes qui vont s'affronter en public. Euh, c'est des duels réglés, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Euh, on a le droit, il y a des coups qui sont autorisés, des coups qui sont interdits, et normalement, Sauf accident, ça ne va pas trop loin. Quand quelqu'un commence à être sérieusement esquinté, on arrête. Euh, C'est intéressant, au passage, ces duels ne sont pas toujours destinés essentiellement ou uniquement à dire qui a gagné. Parfois, on a vraiment le sentiment, quand on lit les sources, que c'est une façon de vider la querelle plus que de désigner un vainqueur. Un peu comme nous, on dirait aux gens bah, euh, serrez-vous la main, excusez-vous, puis maintenant vous êtes copains. Et bah, là, on se met un bon nombre de coups de massue ou de coups de couteau. De... Enfin, il y a différents endroits et différentes règles. Et puis, une fois qu'on a fini, bah, euh, la querelle est vidée. Alors, donc, il y a le duel. Individuel, ou il arrive qu'on en fasse des fois à deux de chaque côté, mais enfin le plus souvent c'est individuel. Pardon, excusez-moi, je me suis encore trompé de sens. Euh, qu'est-ce qu'on a comme autre forme On va avoir euh, le châtiment corporel et son prolongement, la peine de mort. Alors euh, attention, euh, j'y reviendrai. Alors qu'est-ce que c'est que la peine de mort C'est euh, une sanction qui va être appliquée en cas de euh, délit, de crime contre la collectivité hein, et ce n'est pas seulement contre, contre quelqu'un c'est quand vous avez fait quelque chose vraiment qui est abominable vis à vis de la collectivité alors dans les sociétés australiennes qu'est ce qui peut vous falloir la peine de mort euh, une relation incestueuse? Alors attention, l'inceste en Australie, c'est pas d'être euh, marié ou d'avoir des relations sexuelles avec euh, un jeune enfant, hein, c'est d'être marié ou d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui est dans une catégorie de la tribu qui vous est interdite. Et ils sont extrêmement euh, chatouilleux là-dessus, et avec des catégories euh, parfois qui sont extrêmement complexes. Enfin euh, bon, ça, je ne rentre pas dans ces détails. Et puis l'autre motif de peine de mort, ça peut être d'avoir révélé des secrets religieux. Il y a des secrets religieux qui sont sont détenus par les hommes adultes uniquement. Si une femme, un enfant, voit euh, des objets sacrés, ou si un homme adulte ré révèle des secrets religieux ou fait une faute rituelle, euh, c'est un motif de peine de mort. Alors la peine de mort va être fréquemment euh, administrée, pas de, ça dépend des endroits, mais administrée par des, des lances qu'on vous plonge dans l'arrière de la cuisse comme ça, enfin dans le haut, le haut de la cuisse, la fesse, et on va percer l'artère la, fémorale et vous allez vous vider de votre sang. Le châtiment corporel, qui va donc être, le, si j'allais dire, le modèle en dessous, hein, en tous les cas, qui ressemble à la peine de mort, mais évidemment, euh, on ne va pas vous tuer, c'est la même chose, sauf qu'on évite de percer l'artère fémorale. Alors, par contre, vous voyez euh, avec quels délicieux instruments on procédait à ce genre de choses, y compris euh, les Australiens dans bien des endroits avaient des lances à double barbelure, hein, donc vers l'avant et vers l'arrière. Ça veut dire quoi euh, Je donne des détails un petit peu croustillants ou gore. Hein, ça veut dire que quand on enfonce, quand on vous enfonce la lance à vif, hein, évidemment. Si vous voulez la retirer, euh, évidemment, quand les barbelures vont dans un seul sens, une astuce consiste à couper l'arrière de la lance pour pouvoir ressortir la lance, disons dans le sens où ça fait le moins mal. Si la lance est à double barbelure, vous n'y pensez pas, c'est pas plus possible de la retirer par l'avant que par l'arrière. Et là, à ce moment-là, il va falloir découper les chairs avec évidemment euh, euh, des couteaux à pierre. Hein, on n'a rien d'autre. À vif, évidemment, il n'y a pas d'anesthésie euh, pour pouvoir enlever ça. C'est évidemment euh, extrêmement douloureux. Et euh, ces populations globalement, ont globalement un rapport à la douleur qui est euh, très très éloigné d'une autre. Alors autre euh, série de comment dire de, de procédures judiciaires. Bon, on va avoir euh, quelque chose d'assez étonnant où euh, vous voyez le, le personnage qui se tient euh, à droite là avec son bouclier. Eh bien, va devoir éviter un certain nombre de lances qu'on va lui lancer, euh, ce, qu ce que j'ai appelé l'épreuve de pénalité. Euh, il est coupable, il a fait quelque chose de pas bien. Mais donc, euh, vous voyez, c'est un peu comme euh, quand au foot, une équipe fait une faute dans la surface de réparation, ben, il y a un penalty. Euh, ça veut dire que votre équipe va être placée dans une situation euh, très délicate, mais. Elle peut éventuellement s'en sortir, soit que euh, le tireur euh, vise mal, soit que le goal euh, arrive à, à attraper le ballon. Ben là, c'est un peu ça. Si le gars est suffisamment habile, il arrivera sans doute à se tirer de cette affaire-là sans trop de dégâts. Hein. Euh, par contre, s'il se rate, évidemment, ça sera plus compliqué. Euh, on va trouver des choses qui vont être euh, des batailles, mais des batailles régulées. Et c'est là où euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup d'affrontements en Australie sont des batailles qui vont mettre aux prises des dizaines, voire des centaines de combattants. On a des témoignages de batailles avec plus de 1000 combattants, ce qui pour des chasseurs-cueilleurs mobiles est absolument surprenant, mais où il va y avoir que des blessés, un mort, deux morts, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, ces batailles sont conçues comme des duels collectifs. Et donc le but, c'est pas de se tuer, le but, c'est de vider la querelle qu'on a. Et à la fin de la bataille, une fois que la querelle est vidée, donc dès qu'il y, y en a un ou deux qui commencent à être très sérieusement esquintés, on arrête, on se tombe dans les bras les uns des autres, on se soigne et on fait la fête ensemble. Voilà, donc c'est tout à fait étonnant et c'est vraiment, encore une fois, un duel collectif pour vider une querelle entre plusieurs groupes. Mais il euh, y a une autre procédure sur laquelle je, je finis cet inventaire qui est l'assassinat compensatoire, donc à ne pas confondre avec la peine de mort, c'est une vengeance à titre privé. Ça veut dire que si un groupe ou un individu, une famille, etc., vous a tué quelqu'un, euh, physiquement ou par sorcellerie, vous êtes en droit d'équilibrer ça euh, en allant vous venger et en montant une expédition armée pour aller tuer. C'est, si on veut, c'est la, la vendetta. Enfin, la vendetta, c'est quand ce genre de truc euh, euh, n'en finit pas. Voilà, c'est un peu, un peu le même système. En tous les cas, on va euh, répliquer en, en, en équilibrant les pertes. Alors, qu'est-ce que c'est que la, finalement euh, Comment la guerre et la justice vont s'articuler Eh bien, on va dire en gros que la guerre, c'est soit un assassinat compensatoire, où au lieu de viser un individu, eh bien, on va dire, on va viser l'ensemble du groupe et on va en tuer le plus possible. Soit je reviens à la, à la diapositive d'avant, soit c'est une bataille, mais où là on dit, là pas, on ne s'arrête pas au premier qui est esquinté, là on, se fait la, on leur met la misère et, euh, on, et, et on est vraiment très fâché et, et on va aller jusqu'au bout et libérer la violence. Donc on voit très bien comment au niveau de la forme des affrontements, les affrontements, euh, euh, comment dire, les, les formes utilisées pour la justice peuvent très facilement se transformer en formes utilisées pour la guerre. Alors comment ça fonctionne cette affaire-là Là, je me suis euh, un peu creusé la tête parce que j'ai voulu euh, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On avait dans des livres, il y avait déjà des anthropologues qui avaient... Euh, plus ou moins lister toutes ces formes qui avaient dit bah tiens il y a ça etc mais euh, le travail de se dire finalement quelle est la logique qui est derrière tout ça quand est-ce qu'on va utiliser une forme plutôt qu'une autre euh, finalement personne n'avait euh, essayé de mettre ça à plat et, et, de, et de, 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 de le ranger sous la forme de quelque chose de comment d'organisé alors il me semble que tout ça euh, fonctionne selon deux grands principes le premier principe il est très connu c'est la loi du talion c'est œil pour œil, dent pour dent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la quasi-totalité des populations sans État. Si on vous agresse, vous essayez de répliquer en rendant les dégâts qu'on vous a infligés, ce qui a évidemment une vertu dissuasive, c'est-à-dire que celui qui vous agresse sait que vous êtes légitimement en droit de lui faire la même chose et que vous n'allez pas le louper si l'occasion s'en présente. Au besoin, même, vous allez créer l'occasion. Donc, ça, œil pour œil, dent pour dent, surtout dans une société, encore une fois, qui n'a pas la richesse. Et donc, une société sans richesse, ça veut dire, euh, si on vous esquinte, vous ne pouvez pas euh, donner une somme d'argent pour compenser, enfin, une somme d'argent ou des biens matériels pour compenser. Vous allez faire ça, euh, comment dire, euh, de manière, euh, euh, encore une fois, le sang ne peut être lavé que par le sang. Mais il y a un deuxième principe qui fonctionne chez les Australiens c'est que cette loi du talion, Soit elle va être amortie, soit au contraire elle va être amplifiée selon les relations que vous avez avec le groupe en question. Et donc en gros, ben, quand vous êtes en bon, un bon terme avec un autre groupe, s'il si y a une loi du talion à appliquer, vous allez plutôt choisir un moyen euh, de réduire euh, ça sera euh, pour l'œil euh, une, une bonne baffe, hein, on va dire, hein, et pour une dent, un coup de poing. Voilà. Et vous allez faire en sorte que les choses euh, s'amenuisent, et donc vous n'allez pas équilibrer les morts. Mais si en revanche euh, vous avez des relations euh, d'hostilité, d'inimitié euh, avec un autre groupe, eh bien il y a des chances, des risques non négligeables que, au lieu d'équilibrer les pertes, vous en veniez à dire eh ben cela, on va leur donner une bonne leçon, voire on va les exterminer de la surface de la terre parce que ça fait trop longtemps qu'ils nous embêtent et qu'ils nous empêchent de vivre. Voilà. Et voilà comment euh, en Australie la guerre s'articule sur la justice. Alors ça c'est vraiment euh, fondamental parce qu'évidemment ça nous ouvre euh, sur les logiques sociales hein, qui existent dans ces dans, dans ces sociétés et qui font qu'on fait la guerre encore une fois, j'insiste, euh, pour des raisons totalement différentes de celles pour laquelle on l'a fait dans les sociétés disons plus modernes. Alors pour ne pas faire un exposé trop long, je voudrais juste aller très vite sur un certain nombre de diapositives pour dire que non seulement ces gens-là font la guerre, mais ils se donnent un certain nombre de moyens spécifiques à la guerre. Hein, J'ai dit tout à l'heure, on entend souvent l'idée en préhistoire que euh, finalement les premières armes de guerre, c'est l'épée et, ja et, le, et le bouclier de bronze et qu'avant euh, on, on avait des armes de chasse et puis bah, donc, quand on s'énervait on utilisait les armes de chasse pour, euh, pour, pour, se, pour se taper mais on n'allait pas fabriquer des armes exprès pour faire la guerre et bien si, en tous les cas les Australiens le font euh, là encore une fois je vais aller vite parce que euh, sinon euh, la soirée va être, euh, va être un trou petit peu long mais en Australie par exemple euh, les gens sont tous munis de boucliers il y en a deux types, hein. il y a le bouclier plat Contre les missiles relativement légers et puis pour se défendre contre les coups de massue, une espèce de bouclier, euh, voyez, très étroit et très massif, très solide. Et évidemment, euh, ça, c'est pas pour faire la chasse, c'est pour se battre. Hein. Alors, soit dans le cadre de procédures judiciaires, soit dans le cadre de guerre, mais c'est pour se battre. Alors, on n'a pas que des boucliers, on a aussi des massues et des massues. Euh, élaboré, euh, par exemple cette massue coudée euh, qui euh, servait pour contourner justement le bouclier adverse et essayer de, de mettre un grand, coup, un grand coup sur le crâne de l'adversaire. Euh, pardon, excusez-moi, voilà. Euh, une autre massue qui est quelque part une espèce de massue boomerang, vous voyez, vous pouvez vous en servir à la fois pour taper ou la lancer et elle fait une espèce de vol plané rotatif comme ça. Euh, je peux vous assurer, j'en ai sous-pesé une, ça ne donne pas du tout envie d'essayer en vrai. Euh, on entend souvent dire que l'épée euh, est arrivée avec le bronze. Eh bien, les Australiens avaient des épées. Alors, des épées de bois, certes, mais à une main, à deux mains. Vous voyez, il y en a une très grande là, sur la diapositive, et on a quelques témoignages qui disent que ces épées étaient euh, tout à fait tranchantes et redoutables, même si évidemment elles étaient certainement pas aussi tranchantes et solides qu'une épée de bronze, mais euh, des témoignages qui disent que ça ne donne pas du tout envie de les essayer non plus. Euh, des boomerangs, évidemment, l'arme emblématique des Australiens, dont ce modèle spécial... Pour la petite histoire, euh, euh, il y a une tribu, son nom dans une tribu australienne à ce boomerang, c'est le Kylie. Et, et donc ce qui a donné le prénom féminin, la chanteuse Kylie Minogue, euh, son prénom, eh ben c'est le, le nom de ce boomerang en réalité. Euh, ce boomerang a une forme spéciale parce que le petit bout là, c'est fait pour que quand vous essayez de le parer avec votre massue, ou avec votre bouclier, eh bien le petit crochet s'attache à la massue à bouclier, amplifie le mouvement rotatif du boomerang et vous défonce le crâne. C'est en tous les cas ce que raconte euh, l'aborigène qui, euh, qui a fait son autobiographie et qui dit que sa tribu ne savait pas les fabriquer, que la tribu euh, d'en face, eux, savaient les fabriquer et que c'était une arme terrifiante, une arme fatale avec laquelle ils se prenaient toujours des, des, des défaites sanglantes. Et puis, euh, le, la grande arme des affrontements, c'est la lance. Et en particulier des lances qu'on travaille énormément pour euh, leur donner des barbelés. Euh, J'attire votre attention sur le modèle numéro 6 euh, qui s'appelait, euh, qui a été surnommé la lance de la lance de mort, hein, et où. Euh, on insérait avec de la gomme, on fixait des petites particules, des coquillages, des silex, des quartz tranchants tout du long, ce qui fait que non seulement la lance pénétrait très facilement, il paraît qu'elle pouvait traverser un homme de part en part, et ce pas des aborigènes qui le disent, c'est des blancs qui l'ont vu, hein, et que en plus, si c'est n'est pas le cas, même si vous prenez ça dans un membre, au moment où on la retire, bah évidemment, les petites particules restent dans la plaie et euh, vous crevez d'infection si vous n'avez pas crevé d'hémorragie avant. Et en tous les cas, euh, toute une partie de ces instruments euh, sont fabriqués spécifiquement pour la guerre. Hein. Et euh, euh, comment dire, euh, ils ont des noms spéciaux et ce ne sont pas les mêmes qu'on utilise à la chasse. Alors, je finirai là-dessus, pardon, euh, en disant finalement... Que nous apprennent les aborigènes australiens sur la guerre euh, chez les chasseurs-cueilleurs en général et la guerre dans notre propre lointain passé, disons l'époque de Chauvet, Lascaux, etc. Alors évidemment, c'est pas parce que les aborigènes australiens, ou du moins certaines tribus d'aborigènes australiens, euh, faisaient la guerre que ça prouve ipso facto qu'il y avait la guerre à Lascaux et à Chauvet. Mais ça prouve que euh, elle était, c'est une possibilité, qu'il ne faut pas l'écarter a priori. Hein, euh, vous vous rappelez au début, j'avais dit les trois arguments pour dire euh, les chasseurs-cueilleurs, ça ne fait pas la guerre, c'est, euh, euh, comment dire, on n'en voit pas en ethnologie, et eh bien les Australiens prouvent qu'on en voit, c'est, ils n'ont aucune raison de la faire puisque ce sont des sociétés sans richesse, et eh bien les Australiens nous montrent que sans richesse, on peut avoir d'autres raisons de se faire la guerre, et c'est, on ne retrouve rien en archéologie. Alors là, il faudrait être un petit peu plus nuancé parce que ce n'est pas si sûr que ça qu'on retrouve rien. En tous les cas, la question est, que retrouve-t-on en archéologie des guerres australiennes La réponse est rien ou presque. On a dans le nord un certain nombre de peintures qui dépeignent des affrontements parce que l'art aborigène australien, contrairement à l'art de notre propre paléolithique, du paléolithique européen, euh, dépeint des scènes. Donc on a des scènes qui sont très probablement des scènes de guerre ou d'affrontement et qui remontent à plusieurs milliers d'années. Les plus vieilles remontent à moins 10 000. Mais est-ce que c'est vraiment des guerres Est-ce que ce n'est pas des batailles régulées comme j'ai montré tout à l'heure C'est très difficile à dire sur la base d'un de, dessin relativement schématique. Mais ce qui est intéressant d'autre part, c'est que finalement les cadavres qui sont morts de ces guerres, les armes qui ont servi à ces guerres, eh bien tout ça en archéologie, on ne le retrouve pas en Australie pour une raison simple. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, ils enterrent très peu leurs morts. La plupart du temps, euh, quand vous êtes mort à la guerre, euh, la manière dont on va faire votre rite funéraire fait que les archéologues n'ont presque aucune chance de vous retrouver. Et quant aux armes, tout ce qui est en bois bah, disparaît en l'espace de quelques années. On n'a par exemple pas un seul bouclier. Pour euh, la préhistoire australienne est très longue. Hein, les, le Homo sapiens est arrivé en Australie avant d'arriver en Europe. Donc, on a une très vaste, très longue préhistoire en Australie. Très peu d'objets en bois qui ont été conservés, et bien parce que euh, les objets en bois, ça se conserve que dans des circonstances exceptionnelles sur des durées aussi longues. Et donc, même, vous voyez, si un archéologue retrouve des lances comme ça. Euh, Comment peut-il savoir, comment peut-il déterminer que ça servait à la guerre et pas à la chasse Eh bien, il n'a aucun moyen de le savoir. Mais, encore une fois, il n'a aucun moyen de le savoir, mais il ne faut pas écarter cette possibilité, je pense. C'est ça que les chasseurs-cueilleurs australiens nous démontrent. Et, euh, soit dit en passant, euh, euh, là je vais m'arrêter, mais dans l'archéologie euh, de notre vieille Europe, il y a quand même soit certaines armes, soit certains sites. Qui, peuvent, qui doivent sérieusement nous poser la question de ce pacifisme supposé et, à mon avis, qui impose de le remettre en question. Alors, je vais juste finir par une petite page de publicité, si vous me le permettez. Euh, tout ça, eh bien, tout ce que je vous ai raconté là, et puis évidemment avec quelques détails, ben, euh, est tiré d'un livre que j'ai écrit, euh, dans, dans, que j'ai publié dans les derniers mois. Alors, d'abord, il y a une version... Euh, anglaise et puis là donc maintenant une version française depuis quelques mois évidemment je, je me permets de vous le conseiller euh, et puis en dehors de ça eh bien j'anime je, je, un blog euh, qui s'appelle la hutte des classes euh, pour vous donner un peu une idée de de, du point de vue duquel je parle, euh, et sur ce blog, bah, je poste très régulièrement euh, des critiques de livres que j'ai lus, des mes recherches, et j'essaye de réfléchir à voix haute euh, devant les internautes. Et donc, bah, quiconque a envie de non seulement de me lire, mais de m'interpeller, de me poser des questions, de m'apporter des critiques ou des matériaux que je ne connais pas, est évidemment le bienvenu. Et donc bah, je, si, si tous ces sujets-là vous, hein, vous, euh, vous, vous intéressent et vous attirent, euh, je me permets euh, donc de, de vous recommander ça. Et je crois que et bien nous merci, avons de la Christophe. visite. Merci Christophe pour cette conférence. Alors duel, raid, vendetta, peine de mort, euh, les chasseurs-cueilleurs, non, ce n'était pas des pacifistes, loin de là. Alors ceux-là, en tous les cas, n'en étaient pas. Euh... Ouais. Alors euh, des questions sur le chat YouTube, bien sûr, pendant cette conférences, des réactions. Euh, première question peut-être, euh, la vengeance, ça pourrait être l'un des principaux motifs d'agression Ah oui, tout à fait. Alors c'est, euh, comment dire, il y a un principe où euh, on est dans une société sans État. Vous comprenez, vous, euh, euh, nous aujourd'hui, on est dans une société étatique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on se fait agresser ou quand on se fait euh, cambrioler, quand, quand quelqu'un commet un tort, une illégalité à notre égard, on a la possibilité, après on le fait ou on ne le fait pas, et puis ça se passe plus ou moins bien, mais enfin, on a au moins en théorie la possibilité d'aller dans un endroit qui s'appelle un commissariat, euh, de dire, euh, voilà, euh, il m'est arrivé ceci, m'est arrivé cela, et ensuite, normalement, bah, l'État est censé enquêter, et si effectivement euh, il reconnaît que vous avez été lésé, bah, c'est lui qui va s'occuper de punir le coupable. Dans une société sans État, euh, par définition, euh, enfin, c'est Monsieur de la Palice qui, qui euh, répète, mais enfin, il n'y a pas d'État, donc pas de commissariat, pas de tribunaux, tout ça. Donc, votre capacité à faire valoir vos droits dépend uniquement de votre action et de celle, disons, de vos proches, de, votre, de vos parents, de vos amis les plus proches. Et donc, la vengeance. Alors, encore une fois, c'est la vengeance euh, à différents degrés. C'est-à-dire que si on s'est si contenté de vous donner des coups, a priori, vous n'allez pas euh, tuer pour ça sauf si vous avez vraiment envie de, 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 de faire du mal. Mais en tous les cas, vous allez chercher à, à essayer de, 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 de vous faire justice vous-même. Hein, C'est le principe de la chose. Tout à fait. Et alors, euh, là, vous nous avez emmené sur le continent euh, australien. Euh, mais est-ce qu'il y a eu des, des études semblables qui arrivent à des conclusions semblables ailleurs, ou bien c'est vraiment spécifique euh, des sociétés aborigènes Alors, euh, sur les chasseurs-cueilleurs du monde entier, donc il euh, euh, y a cette idée qui traîne. Euh, en tous les cas, en France, encore une fois, parce que selon les pays, c'est assez variable. En fait, cette affaire-là, euh, on serait aux États-Unis, on, on discuterait pas du tout dans les mêmes termes. Euh, mais en France, il y a cette idée qui traîne que les chasseurs-cueilleurs en général sont euh, pacifistes. Et en général, ceux qu'on montre en exemple, euh, ce sont, alors, on les appelle des fois les Bushmen, on les appelle des fois les San. Euh, ce sont donc des des, des des gens de petite taille là qui vivent dans le désert du Kalahari. Euh, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Les dieux sont tombés. Sur sur la oui, tête, qu'il les mettait bon. en scène il euh, y, y a 30 ou 40 ans. Bon. Voilà, les plus et, jeunes ne vont, et vont sont, pas suivre. Les plus jeunes vont pas suivre, mais <laughs> ils peuvent aller voir le film, il est très bien. Enfin, euh, il est à double, il, il est à tiroir, enfin, il est... Il, bon, bref, on vais pas se lancer là-dedans, mais... Euh, <laughs> Comment dire, en tous les cas, les bushmen ont été souvent présentés comme euh, les chasseurs-cueilleurs typiques, et donc, comme eux étaient euh, « ne font pas la guerre », on disait, bah voilà. Euh, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, quand on prend les travaux anthropologiques qui datent d'il y a plusieurs décennies ou du 19e siècle, euh, ils arrivent tous à la conclusion que certains chasseurs-cueilleurs font la guerre, euh, tous sont violents en réalité. Et je, je le dis en passant, mais euh, en réalité, les bushman, quand on prend la documentation du 19e siècle sur eux, elle dit qu'ils font la vendetta et la guerre. Mmh. C'est-à-dire que les bushman de 1950, en fait, ce sont des gens qui ont été... Euh, Ratatinés par plus fort qu'eux. Et évidemment, ils sont devenus non-violents, comme en général, quand on est ratatiné et qu'on n'a pas le rapport de force, on est pour la paix. Mais en réalité, ce n'était pas du tout leur condition originelle. Et toute la documentation converge pour dire qu'encore une fois, tous les, les chasseurs-cueilleurs ne font pas la guerre au sens où il y a des groupes qui vont s'affronter pour essayer de faire le plus de morts possible chez l'adversaire. Par contre, il y a des gens qui font ça sur un peu tous les continents où on a pu voir des chasseurs-cueilleurs. Et de toute façon, l'exercice de la violence pour se venger sur une échelle plus réduite, ça oui, ça existe partout, y compris chez les Inuits par exemple. D'accord. Alors, sur votre première diapositive, on voit une image de chimpanzé. Euh, et des primatologues ont démontré... Euh, Observez plutôt, il y a quelques années que euh, dans certaines régions euh, d'Afrique, ces chimpanzés sont capables de s'organiser en horde et véritablement en armée et on les voit partir euh, euh, en colonne euh, vous l'anthropologue social que vous êtes. Quand vous observez cela, quand vous comparez peut-être avec vos travaux, est-ce que vous voyez des similitudes, des différences euh, Bon, évidemment, on est du monde animal et, mmh. et, et, et l'humain, hein toute comparaison hein, doit rester euh, mesurée, mais. Quand même, L'œil de l'anthropologue social sur, sur Alors, ces choses-là. C'est un peu compliqué. Bon, moi, je suis effectivement. Euh, voilà, je me suis intéressé aux sociétés humaines. Euh, J'essaye de ne pas être totalement illettré euh, sur les sociétés animales et en particulier les sociétés de primates. Mais j'avoue que ce pas les thèmes que j'ai le plus creusés. Donc euh, j'ai un avis, disons, euh, euh, qui dépassera peut-être un petit peu celui du café du commerce, mais euh, oh. qui n'est pas celui d'un spécialiste de ces questions-là. Euh, il y a, je crois qu'il y a deux attitudes, et sans, sans doute que mon ignorance vient aussi de mon attitude. Euh, il y a des gens qui cherchent très fort justement les points communs, les similitudes, c'est ça qui les intéresse et ils sont convaincus qu'on peut comprendre beaucoup de choses des sociétés humaines euh, en recherchant euh, les origines euh, euh, biologiques euh, et animales tout incontestables évidemment de, de notre espèce. Moi je fais plutôt partie de ceux qui pensent que la majeure partie des phénomènes sociaux humains euh, s'expliquent par justement les sociétés humaines elles-mêmes et que finalement... Euh, ce que la biologie nous a laissé, c'est plus une capacité à inventer des comportements et des relations sociales que quelque chose qui serait très contraignant et qui du coup expliquerait beaucoup de choses. Alors, encore une fois, tout ça, c'est une attitude générale et, et ça demande à être, euh, euh, comment dire, euh, éprouvé pour, pour chaque thème. Donc, quand je vois les affrontements de chimpanzés, bah, je me dis, euh, la capacité à agir collectivement et agir collectivement de manière violente, concertée, etc., bah manifestement, c'est un héritage de la biologie. Ça, ça fait aucun doute. Après, selon les sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on observe, on voit qu'il y a plutôt une petite dilution, je dirais, de cette chose-là alors qu'on conserve, mais qui finalement ne va pas prendre beaucoup d'ampleur, euh, ou au contraire, euh, l'utilisation de cette faculté dans un cadre social qui est quand même un cadre social spécifique, parce que euh, je ne crois pas, alors je dis peut-être une bêtise, je m'en excuse auprès des primatologues, mais je ne crois pas que les chimpanzés iront se battre directement euh, pour justement des histoires de vengeance ou de choses comme ça. Euh, ce qui est caractéristique de l'être humain, c'est qu'on va construire des rapports sociaux, une mémoire mmh. collective, des droits, des droits qui ont été bafoués, qui doivent être réparés, euh, etc. Des alliances, des choses comme ça. Alors les alliances d'une bêtise, parce que effectivement, euh, oui, les, y a des les primates en font aussi. Oui. Mais euh, <laughs> ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même toute une construction sociale chez l'être humain. Et où à mon avis, euh, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Je pense que le plus intéressant se situe du côté des sociétés humaines elles-mêmes pour comprendre les sociétés humaines. Voilà. Oui. C euh, bon. Après... Euh... Avec toute la prudence nécessaire. <laughs> alors oui, parce que les, les chimpanzés se, se battent beaucoup pour des territoires, pour de la nourriture, pour des besoins assez euh, voilà. rudimentaires. Et ce qui est frappant, vous faites bien d'en reparler, ce qui est très frappant, c'est quand on dit aux gens, euh, vous savez, les chasseurs-cueilleurs se faisaient la guerre, c'est ça qu'ils imaginent. Hein, ils disent, ah bon, ah bah ben alors oui, pour des territoires, pour la nourriture et pour les femmes. Eh bien, euh, pour les territoires quasiment pas ou en tous les cas moi je ne le trouve pas dans mes données pour la nourriture c'est sûr que non ou alors c'était parfaitement exceptionnel et même pour les femmes j'ai insisté là dessus euh, c'est un comment dire c'est un sous produit de situations de, de, situation de conflit qui enfin de situations légales et de conflits qui naissent à partir de choses qui normalement ne se règlent pas comme ça voilà. oui. Alors, vous nous avez expliqué que la guerre n'est pas apparue au néolithique, hein euh, mais est-ce que cette période a quand même changé quelque chose dans la façon de faire la guerre, les raisons de faire la guerre Alors déjà, il y a une grande question à laquelle je n'ai pas de réponse définitive, mais où je pense qu'il faut se méfier, c'est que est-ce que le néolithique a... Augmenter le degré de guerre, le degré de létalité des affrontements ou le nombre des affrontements. C'est ce qu'on est spontanément tenté de penser parce que, en archéologie, c'est là où les conflits collectifs deviennent visibles et puis à l'âge du bronze, encore plus visibles tout le problème en archéologie, c'est d'arriver à mettre de côté des effets de préservation des traces matérielles, c'est-à-dire que euh, une société peut changer la manière dont elle enterre ses morts ou dont elle fait des rites funéraires qui rend d'un seul coup visible ou au contraire invisible un certain nombre de phénomènes. Et donc je suis pas du tout convaincu, enfin quand je dis je je ne suis pas, évidemment pas le seul, mais un certain nombre de préhistoriens s'interrogent beaucoup pour savoir si réellement au néolithique la guerre est devenue plus euh, sérieuse, plus euh, invasive qu'elle ne l'était avant. En revanche, euh, ce qui est certain, c'est que, alors c'est plus ou moins lié au néolithique, c'est un peu compliqué dans les détails, mais on va, on va rester simple, il y a un moment où les sociétés humaines inventent un truc qui s'appelle la richesse. Donc en gros, là où les relations entre les gens se faisait de manière directe, on va faire intervenir des biens matériels euh, pour tout un tas de circonstances de la vie sociale, on va se mettre à payer pour se marier, on va se mettre à payer pour justement euh, laver un affront judiciaire, ça, ça s'appelle le prix du sang, c'est-à-dire euh, je, je te paye et en échange tu ne me tu tu tues pas, euh, on va se mettre à avoir des amendes, hein, donc avec une autorité qui dit euh, vous avez fait quelque chose de pas bien, et ben vous devez verser des biens matériels, etc. Et dans tout un tas de circonstances de la vie sociale, les biens matériels vont intervenir. Alors à partir du moment où la richesse se met en place, c'est le thème que je suis en train d'explorer de, en ce moment. Euh, de mon côté, euh, comment est-ce que euh, la transformation euh, des, des rapports sociaux va influer sur les buts de guerre, hein, et où comment euh, euh, petit à petit la richesse euh, va devenir le but de la guerre. Alors de manière très étonnante, pour l'instant j'en suis qu'au qu premier, je rassemble petit à petit des éléments, mais de manière très étonnante, je trouve un certain nombre de sociétés où la richesse joue d'ores et déjà un rôle dans les rapports sociaux et où on continue à faire la guerre pour les vieux motifs euh, qui sont exclusivement euh, les droits sur les femmes et les vengeances. Et on a l'impression qu'il y a eu une espèce de, de résistance. Alors encore une fois, pour l'instant, c'est une, une impression que j'ai. Euh, comment dire, euh, je ne jurerais pas que c'est la vérité. Enfin, euh, déjà, ce, même ce que j'ai bien étudié, je ne jurerais pas que c'est la vérité. C'est ce qui me semble être le plus vrai, mais euh, en science, il faut quand même garder un peu de prudence, même beaucoup. Euh, mais en tous les cas, c'est une impression étonnante parce que je m'attendais à ce que, bah, dès que la richesse est inventée, euh, on faisait déjà la guerre. Logiquement, on se met à faire la guerre pour la richesse. C est, c est... Eh bien, il semblerait que pas tant que ça. Voilà. Pas tant que ça. Voilà. Mais. Euh, à faire, à suivre. Alors par contre, je, puisque j'en profite, il y, y a un autre motif de guerre chez d'autres chasseurs-cueilleurs, et qui n'est pas un motif de guerre chez les Australiens, c'est de se procurer des substances réputées euh, vitales. Et donc vous allez euh, euh, chez les gens pour les tuer, parce que, et en gros, la substance numéro un, ça va être la tête. Hein, et il faut ramener, on va faire ce qu'on appelle de la chasse aux têtes, hein, euh, c'est-à-dire qu'on ne ramène pas la tête uniquement... Euh, pour montrer qu'on a été un grand guerrier euh, et qu'on est très fier, et voilà, on va aller faire la guerre pour aller chercher des têtes, parce que, comme chacun sait, euh, c'est avec une tête ennemie que le riz pousse bien, que euh, euh, les, le sagou, etc. Si on va par exemple au musée du Quai Branly, il y a quelques mâts gravés euh, d'un peuple qui s'appelle les Asmates, qui étaient des chasseurs-cueilleurs de Nouvelle-Guinée, euh, du sud de la Nouvelle-Guinée, c'est des mâts absolument extraordinaires plein de scènes érotiques d'ailleurs, euh, voilà, euh, bah, ces gens-là étaient des redoutables chasseurs de tête. Et pour que le sagou pousse bien, tout le monde sait qu'il faut faire une cérémonie où on érige un mât gravé, qu'on arrose avec le sang euh, de la tête fraîchement coupée de l'ennemi. Voilà. Je voyais que vous ne le saviez pas. Non. Est-ce est, est que quand vous même. faites du jardinage Un tout petit peu. Ça pousse beaucoup mieux. Ça pousse beaucoup mieux avec une tête et demie. Bon. Euh, les, oui. les, les études des asthmates le prouvent. Oui. Bon, on va rester sur la permaculture. C'est moins violent, je pense. Alors une autre une autre question d'internaute sur notre chat YouTube. Euh, les guerrières, les femmes, les guerrières étaient-elles présentes dans ces conflits Alors euh, là aussi, euh, il faut se méfier des effets de mode. Il euh, y a une tendance euh, euh, lourde en ce moment à essayer de, euh, au nom du combat contre une préhistoire qui euh, a été euh, machiste et qui a eu tendance à invisibiliser les femmes, euh, à prendre le, le pli inverse et à voir euh, donc, euh, euh, des guerrières, des fortes femmes, des voire des matriarcats, euh, bon, euh, un peu partout alors, très clairement, les populations de chasseurs-cueilleurs qu'on a observées euh, ont euh, des situations entre les hommes et les femmes variables, mais variables au sein d'un demi-plan, si, si je prends une métaphore mathématique, c'est-à-dire que on a des choses disons entre une certaine égalité des sexes, par exemple, justement chez les bushmen dont on parlait tout à l'heure, et des dominations masculines extrêmement marquées, par exemple, dans certaines tribus australiennes on n'a nulle part une abolition de la, ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, sauf dans une ou deux tribus extrêmement particulières, euh, très souvent citées, parce que justement, c'est l'art qui cache la forêt, et parce que euh, il, euh, je pense à une tribu des Philippines, où les femmes chassées à l'arc, c'est le contre-exemple qu'on donne, sauf que c'est des gens qui échangeaient leurs produits végétaux avec les agriculteurs voisins. Donc, eux, ne faisaient que la viande. Donc, forcément, il y avait euh, un truc très particulier. Mais partout ailleurs, il y a une division très forte du travail et en particulier, donc, les armes euh, les plus létales, l'arc, là où il existe, la lance euh, euh, et le boomerang euh, en Australie, il n'est pas question qu'une femme s'approche de ça. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes sont complètement désarmées les femmes ont des grands bâtons, euh, les, les bâtons qui leur servent notamment à, à, à fourrer, fourrer le sol pour euh, déterrer les tubercules. Et éventuellement, les femmes vont pouvoir se battre soit entre elles, dans les duels. Oui. Et au passage, si je peux remontrer une diapositive que j'ai montrée, dans une, cette représentation remarquable qu'on a d'une bataille rangée euh, australienne, alors qui est un duel collectif, hein, qui n'est pas une vraie guerre, enfin qui n'est pas une guerre euh, mortelle, mais si on fait bien attention, au premier plan, euh, les gens qui s'affrontent sont des femmes hein, et qui s'affrontent avec justement leur bâton à fouir pendant qu'au second plan euh, les hommes eux utilisent euh, les massues au corps à corps et, et les lancent à distance alors les femmes se battaient euh, éventuellement dans ce genre de circonstances euh, alors elles se battaient dans les batailles régulées, dans les, dans les vraies guerres, elles ne se battaient pas. Ou alors, quand le camp était attaqué, elles se défendaient comme elles pouvaient avec les bâtons. Mais quand on partait en expédition dans le territoire adverse, on n'emmenait pas, pas les femmes. Et les femmes ne venaient pas. Donc, le rôle des femmes dans la guerre est tout à fait limité. Éventuellement, ce qu'elles vont faire dans des circonstances comme ça, c'est se battre entre elles et servir de. De, de supplétifs, disons, aux hommes, en particulier en écartant les blessés pour les mettre à l'écart, ou en ramassant, donc elles sont au milieu du champ de bataille, et elles vont ramasser les projectiles qui sont tombés à terre pour euh, refournir aux, aux hommes pour guiser à nouveau des munitions. Mais donc, les femmes euh, ne font pas la guerre. Et d'ailleurs, les femmes ne font pas la justice non plus, puisque, comme je le disais, euh, seul le duel est la forme judiciaire autorisée aux femmes. Et toutes les autres formes de justice, euh, les hommes se battent pour leurs droits sur les femmes, et les femmes se battent fort peu pour leurs propres droits. Quant aux droits qu'elles ont sur les hommes, il ben, n'y en a pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Ça a un peu évolué. Heureusement. On s'en réjouira. <laughs> Alors. Euh, Peut-être une dernière question. Euh, dans, dans les sociétés aborigènes actuelles, est-ce qu'il reste quelque chose, hormis le boomerang que l'on connaissait nous pour être un jeu, éventuellement un jeu à la plage, et puis on vient de découvrir que non, pas du tout, euh, c'est un, une arme redoutable. Qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver euh, de petites reliques de ces, de ces agressions Alors... euh... Alors, moi, je connais bien mal les sociétés aborigènes actuelles. Comme je disais, je suis un anthropologue de fauteuil, donc je ne suis jamais allé en Australie. J'ai passé des centaines d'heures à lire sur les aborigènes, le plus possible les aborigènes avant, hein, avant que leur société soit bouleversée par l'arrivée des Blancs. Donc, sur les aborigènes d'aujourd'hui, évidemment, je entendu dire quelque chose, mais euh, je suis loin d'être un spécialiste. Alors, euh, le peu que j'ai lu, c'est évidemment que euh, la plupart de ce que j'ai montré là n'existe plus. Et encore une fois, pour une raison simple, la première chose que fait un État, n'importe lequel, euh, dès qu'il en a la possibilité, c'est d'interdire que les gens se fassent justice eux-mêmes. Le principe même de l'État, c'est lui qui rend la justice. Il a le monopole de la violence légitime, comme on dit. Et donc, il interdit que les gens se fassent justice eux-mêmes. On sait qu'en Occident, l'État, alors il a mis longtemps, mais il a justement petit à petit interdit, en particulier les duels qui existaient du temps du féodalisme. Donc en Australie, vu le rapport de force entre les tribus aborigènes et l'État occidental, euh, très rapidement, dès que l'État arrivait quelque part. Alors, euh, on a quand même des, des cas de bataille régulés. Je, je crois que les dernières qu'on a, c'est 1950, dans certains endroits du Nord, qui sont les endroits où le, où le colonialisme est arrivé en dernier. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste Je pense qu'il reste certaines formes, comment dire, euh, euh, J'allais dire dénaturé. Euh, on a gardé l'esprit, on a gardé un certain nombre de symboles, mais évidemment, bah, on se perce plus à coups de lance et on se met plus de coups de massue sur la tête. C'est heureux. Mais euh, <laughs> autour justement de duels, d'épreuves de pénalité, de choses comme ça, euh, j'ai cru comprendre que dans un certain nombre de coins, euh, on, on a gardé des choses qui, qui, euh, qui gardaient l'enveloppe le, le, à défaut d'avoir conservé le contenu. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Christophe pour vous tout. Vous prie, euh... Merci de m'avoir invité. Oh ben, C'était très volontiers. On a appris énormément de choses grâce à vous et on verra le continent australien d'un autre œil. Hein nous arrivons donc au terme de notre conférence et nous nous retrouverons mercredi pour deux nouveaux rendez-vous à 16h30 avec les étudiants du master biomedical engineering qui vous présenteront leur projet Exoswitch puisqu'ils se sont lancés le défi de concevoir et créer un outil de diagnostic non invasif. Et très précoce du cancer et ce projet là ils le soumettent au concours de biologie de synthèse qui se déroulera au MIT vous verrez cette aventure humaine et scientifique d'étudiants très enthousiastes et puis à 18h30 nous nous retrouverons avec Sophie Vassé qui nous surprendra en nous contant l'histoire des découvertes des sources d'eau minérale voilà pour ce soir, c'est terminé. À la régie, nous avions la scène souci et Youssef Taoussi à l'image, Eric des au son, Samia Seri à la réalisation. Merci encore Christophe. Merci à vous. Merci d'être venu. À très bientôt, bonne soirée, à mercredi.